Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je présente à nouveau Massonneau. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui viennent de s'abonner récemment et qui viennent de voir certaines vidéos des présentations en photo. Donc voilà, je confirme. Certaines ne sont pas dedans parce que c'est un projet de acheter au fur et à mesure. Alors je vais commencer, je ne vais pas les allumer tout de suite. Par contre, je préparais ça parce que. Attention, je recule parce que. Voilà. Je vous présente. Alors, que je fasse attention parce que, tout simplement. Dis donc. Bon, bref, voilà. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, donc, désolé, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le laser, parce que le laser, ça peut abîmer une caméra. Je vous donne l'info. Donc là, je fais hyper attention. Donc, je m'éloigne pour filmer, qui est très important. Bon, bref. On y va tout de suite sur le sujet. Voilà, je présente ma Pioneer. Voilà ma 350, CDJ 350, ma Newmark M101 et bien sûr mon autre Pioneer. Donc. Alors pour les jeux de lumière, j'en ai deux qui sont tout simplement deux de chevet. Donc celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est tous ces deux-là. Celui-ci, c'est un Bouton DJ. Mon laser, c'est un Bouton DJ. Donc, je vous mettrai en lien, si peut-être en lien, je vous mettrai les liens, comme ça vous verrez les références, qu'est-ce qu'elle va, la puissance, etc. Mon projecteur à double, ma petite boule cristal. Ma boule cristal, je l'appelle. Et bien sûr, lui. Donc, ne vous inquiétez pas, il fonctionne bien. C'est quelque chose de bien, ne vous inquiétez pas. Par contre, un conseil que je donne à tout le monde, si vous êtes dans une petite salle, comme par exemple, admettons une salle un peu plus petite comme la mienne, comme ici chez moi, bah, le laser, là, il va suivre la musique intensivement. Par contre, si c'est loin, là, franchement, il faut donner toute la gamelle à l'ampli. Bon, alors, je vais... on y va tout de suite. Bon, voilà, excusez-moi. J'allume ici. Hop. Donc, normalement, j'ai plein de petites choses à faire. Mais bon, c'est pas pour ça. Voilà, mon ATRM. Alors attention, mon ATRM, c'est un 2x 150 watts RMS, d'accord, 2x 150 watts RMS. Alors lui, il n'est pas en photo parce qu'il a quand même plus de 15 ans. Je vais dire la vérité, c'est un vieux de chez vieux, donc vous l'assurez, c'est un vieux de chez vieux, il tient bien, il fonctionne bien, et bien sûr, il a eu quelques petits soucis. Et le petit souci, voilà. Alors mon truc à ampli, donc je peux en mettre deux. Voilà, d'accord. Bon, alors normalement j'ai deux platines vinyle. Alors j'ai une Stanton RS8-80. Par contre, la Technica, je connais pas très bien sa référence. Ok, je connais pas très bien sa référence. Dès que je verrai un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous envoie ça en lien. Après, j'ai du BST 200 watts RMS. Donc, 200 watts RMS. Donc, je vais les allumer. Je
j'ai allumé. Alors je prends une petite, deux petits CD à la noix là, hop, hop, voilà, donc deux petits CD à la noix. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre fort parce que question droit d'auteur, d'accord. Hop, hop, désolé, bien sûr, mon Mac, il me sert pour faire le studio. Alors, voilà, vous voyez, je mets pas fort parce que si je mets fort, ça fait ça. Voilà, donc c'est tout simplement, voilà. Donc c'est pas pour durer longtemps. Hein. Voilà, donc c'est pour aller plus vite parce que là j'ai le laser et donc j'évite d'en faire de la vidéo comme ça. C'est un conseil donc on me donne. Donc je l'ai fait aujourd'hui parce que c'est pour montrer un peu ce que j'ai. Donc rapidement. Donc voilà. Donc vous savez, un laser peut tuer un petit bonhomme. Donc voilà, vous voyez. Tout simplement, j'ai éteint, voilà, c'est pour moi, comme ça au moins. C'est tout simplement voilà, donc c'est pour respecter les droits d'auteur, tout ça, donc je fais tout le possible pour pas que la vidéo soit bloquée. Voilà, voilà ce que je voulais pour présenter. Bien sûr, j'ai les pieds pour les enceintes, j'en ai deux, j'ai une paire, et bien sûr j'ai pied T, donc le pied T pour l'instant il est ailleurs, je l'ai rangé. Enfin, je ne vais pas le laisser ici. La place est. Voilà, tout simplement. Et encore, il y aura d'autres produits. J'ai deux gyrophares qui sont normalement. Voilà, vous allez les voir. Hop. Bon, bref, voilà, les gyrophares, ils sont là. J'ai un bleu et un rouge. D'accord. Et bien sûr, j'envisage d'avoir un deuxième laser. Et bien sûr, et deux logepads. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bye bye.